Comment créer un business internet? Comment générer des revenus en ligne? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 22 sur la série plus ou moins comment attirer du trafic sur ses offres. On avait vu dans les vidéos précédentes comment créer un business internet, comment se créer une véritable activité en ligne. Donc je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour avoir donc les idées de business internet. Et là, on est plus sur une vidéo comment attirer du trafic donc sur ses offres, ses services ou ses produits en affiliation. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler du podcast. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le podcast est de plus en plus à la mode. Beaucoup de personnes se lancent dans le podcast, notamment sur Spotify, YouTube et il y a évidemment plein d'autres plateformes qui existent. Pourquoi le podcast? Parce que tout simplement, eh bien, ça va être facile d'écouter un podcast plutôt que de regarder une vidéo YouTube, par exemple. On va pas avoir besoin de visionner, donc on va pouvoir être en voiture et juste écouter le contenu du podcast de la personne qui le propose. De quoi on va avoir besoin pour créer son podcast? Bah, tout simplement d'un bon micro déjà pour commencer et puis d'une plateforme pour héberger notre podcast en sachant que beaucoup de personnes qui créent le podcast sont sur plusieurs plateformes dont Spotify, YouTube, Ocha, etc. Voilà, je ne vous fais pas la liste, vous allez voir par vous-même ce qu'il existe dans Google. En tout cas, il existe de nombreuses plateformes. Pourquoi le podcast? Ben, comme on a vu avec YouTube, Pinterest, Instagram, le blog ou la chaîne YouTube, eh bien, ça va être pour attirer du trafic, créer du contenu et attirer du trafic sur nos offres, nos services ou nos produits en affiliation, tout simplement. Donc les réseaux sociaux, il faut vraiment les voir de cette façon, à mon sens. C'est pour vraiment créer du contenu et attirer du trafic. Comment on monétise son podcast? Eh bien, on va pouvoir monétiser son podcast déjà grâce aux plateformes qui peuvent proposer une rémunération, mais également bah, le monétiser puisque vous avez peut-être des formations, des produits à vendre, des services à proposer et les personnes qui vont être attirées par votre contenu, peut-être votre personnalité, ce que vous proposez, vont vouloir aller plus loin avec vous et vont être intéressées par vos offres, services, prestations, etc. On va pouvoir proposer également un abonnement payant et on va pouvoir se rémunérer en demandant un don. Notamment, voilà, j'ai pris l'exemple de Tipeee, mais c'est pareil, il existe d'autres plateformes pour faire des dons. Donc, voilà en gros comment on va pouvoir monétiser le podcast. Alors, il ne faut pas espérer en vivre forcément. Alors, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui en vivent, mais à ce moment-là, ça va être des énormes personnalités qui ont un podcast de millions de personnes. Et à ce moment-là, effectivement, ça va pouvoir être intéressant. Mais nous, on va s'y intéresser plutôt pour juste créer du contenu et attirer du trafic sur notre profil et donc sur nos offres, sur nos différents réseaux sociaux, peut-être sur notre blog, notre site, etc. Ici, je suis allée voir sur Google et on regarde un petit peu les nouveautés des podcasts. C'est pour vous montrer qu'il existe tout un tas de thèmes possibles finalement pour les podcasts. Donc, vous pouvez l'adapter totalement à votre activité ou à votre business en ligne. Donc, ici, on va avoir quelque chose plutôt sur les histoires, plus adaptées donc aux enfants. Ici, on va avoir des choses sur les pervers narcissiques, les relations avec les pervers narcissiques, étudier la Bible, les histoires de science, le monde des ados, des choses juniors. Bref, là, je vous montre pas tout, mais il existe des tonnes et des tonnes de thèmes. Finalement, on peut faire un podcast sur tout et n'importe quoi, entre guillemets, et le proposer à notre audience. Ici, je vous montre un exemple de podcast qui fonctionne très très bien sur YouTube, notamment, qui s'appelle donc Métamorphose et qui a quand même 237 000 abonnés. Voilà, c'est un podcast qui est sous forme d'interview de personnalité, voilà, où la personne va poser des questions, présenter la personne et parler d'un thème précis. Donc, on peut voir que ça fonctionne très très bien, même sur YouTube. Donc, on peut imaginer que cette chaîne génère des revenus YouTube. On va aller regarder tout de suite.
Voilà, et on observe que eh bien, les revenus mensuels estimés sont entre 231 euros et 3 700 euros par mois. Bien sûr, c'est une estimation, mais déjà, il y a pas mal de revenus YouTube apparemment. Et on peut observer qu'il y a un bouton soutien, voilà, qui propose du coup un abonnement mensuel pour soutenir le podcast. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais. Un peu comme Tipeee, on a Patreon. Donc pour soutenir le podcast. Donc voilà comment monétiser votre podcast de manière déjà directe. Alors cette personne-là ne propose pas derrière du coaching ou une formation ou autre, mais on peut imaginer eh bien, que vous pourriez créer ce genre de podcast et monétiser derrière. On peut imaginer que ça peut être un podcast sur eh bien, les cryptos, le business en ligne, le coaching sportif, la nutrition, le yoga, la parentalité, l'éducation positive, etc. Bref, on peut imaginer tout un tas de domaines et créer son podcast. Et pourquoi pas le mettre également sur YouTube. Peu de personnes y pensent, à mon avis. Mais l'intérêt du podcast, c'est que vous allez pouvoir créer un podcast et le mettre sur une multitude de plateformes en même temps. Voilà, je ne vais pas faire trop long pour cette vidéo. C'était juste pour vous montrer une autre façon d'attirer du trafic sur vos offres en créant du contenu. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous ai mis en description donc de cette vidéo une formation complète pour savoir comment créer son podcast en mode tuto pas à pas. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Voilà, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Merci de liker, de commenter et de partager si ce contenu vous plaît. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo à venir. Et je vous dis, en ce qui me concerne, à demain pour une prochaine vidéo.